Mbappé blesse. À l'entraînement à 2 jours du match contre le Real. Gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a reçu un gros choc ce lundi lors du dernier entraînement du Paris Saint-Germain et serait incertain pour le match retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid au Bernabéu mercredi prochain, selon plusieurs médias français. L'attaquant français va passer en urgence de nouveaux tests médicaux pour voir s'il s'agit d'une simple frayeur ou s'il y a une quelconque blessure. Selon les premières informations, Mbappé a reçu un gros coup au pied après un contact avec un coéquipier et a dû être soigné par les services médicaux. Selon l'équipe, le club de la capitale craignait d'abord une fracture du pied, mais les examens passés en début d'après-midi ont écarté cette hypothèse. La France tremble. Mbappé veut prendre tous les risques, le vestiaire madrilène croit au coup de bluff. Durant quelques heures, à partir du milieu de l'après-midi, la folie s'est emparée des supporters et observateurs de ce choc entre le Real Madrid et le PSG. Touché au pied par une semelle appuyée d'Idrissa Gueye, Kylian Mbappé a été annoncé douteux pour le choc de demain soir. Finalement, les dernières nouvelles sont rassurantes et Mbappé, qui a encore plus de 24 heures pour soigner son pied, a de grandes chances d'être sur pied pour la rencontre. Mbappé craint que son absence fasse jaser. Il faut dire que le joueur lui-même n'a aucune intention de louper cet énorme choc au stade Santiago Bernabéu qui va forcément lui prévoir un accueil exceptionnel, sur fond de convoitise pour l'été prochain. Et justement, l'équipe assure que l'ombre de ce dossier va encore plus pousser Mbappé à prendre tous les risques demain soir. L'attaquant de 23 ans mesure bien toutes les interprétations qu'un éventuel forfait pourrait engendrer, écrit le quotidien, qui ajoute que Mbappé a tellement envie de fouler cette pelouse que cela ne devrait pas l'arrêter. La tendance est donc clairement à la présence de Mbappé pour le choc et cela n'est pas franchement une surprise du côté du Real Madrid. En effet, le vestiaire meringué semble ne pas croire une seconde à une blessure réelle du buteur du PSG. Le vestiaire du Real Madrid ne croit pas au fait que Mbappé soit blessé, a en effet assuré le journaliste Edu Aguirre à l'antenne de l'émission El Chiringuito hier soir. Pour résumer, tandis que la blessure de Kylian Mbappé a fait passer un gros frisson du côté du PSG, la confiance semble désormais de mise. Alors que du côté du Real Madrid, on ne croit pas une seconde à une absence de la star parisienne.